Il y a des romans qui pourraient peut-être me faire penser peut-être un petit peu à ce que j'ai essayé de faire. Je pense au Cœur des Ténèbres de Conrad, qui est une espèce de modèle comme ça. Mais j'ai jamais opposé, par exemple, l'idée du roman d'aventure au roman initiatique ou psychologique. Où j'essaie justement de ne pas travailler par catégorie, de rien m'interdire sur les choses. Et alors c'est vrai qu'il y a des dimensions très variées, peut-être contradictoires, mais moi j'aime bien travailler sur cette idée à la fois par exemple du huis clos, de l'intime, et en même temps au contraire presque du feuilletonesque et du livre d'aventure dans les grands espaces. Parce que les westerns par exemple faisaient ça, moi j'ai beaucoup aimé les westerns. Plutôt dans ma vie d'adulte d'ailleurs qu'enfant, parce qu'ils étaient capables de nous parler d'une histoire familiale, mais plutôt que de le faire dans une cuisine, de le faire dans un endroit complètement invraisemblable, avec cet avantage que ça a, qui est que plus vous êtes dans un lieu ouvert, plus en fait les relations intimes sont fortes, paradoxalement. Et ça, par exemple, c'est une dimension qui m'intéresse, mais que j'ai pas du tout pensé à essayer de catégoriser justement en genre ou sous-genre, parce que je les aime tous et que j'ai envie de les embrasser dans un seul mouvement, en fait. Beckett fait partie de ces, pas seulement de ses auteurs, mais de ces hommes dont la vie, moi, m'aide aussi au quotidien, quand on essaie de se dire, pas forcément à qui on veut ressembler, mais qui nous aide à tenir, qu'est-ce qui nous semble un peu être... Le modèle n'est pas juste, mais parce que c'est justement, une fois encore, il ne s'agit pas d'être ou dans l'imitation ou dans un espèce de respect béat, mais simplement il y a des figures comme ça qui nous font quand même ne pas désespérer de tout. Donc voilà, ça, c'est sûr que Beckett fait partie, moi, des gens aujourd'hui qui me servent à m'appuyer un petit peu pour continuer à écrire.